Je me répète, je Salut tout le crois. monde, alors aujourd'hui encore un nid de frelons. Hier c'était du frelon. Aujourd'hui c'est du frelon, demain ça va être du frelon. Le mois de septembre il est destiné aux frelons. Je vais traiter un nid de frelon donc, qui s'est logé dans un noyer à l'entrée d'une maison chez une dame qui est âgée, donc faut pas qu'elle se fasse piquer. Je vais vous montrer ça. Donc pareil, hein, toujours dans une cavité, vous voyez le début du nid qui est là. Schlac. Et le point d'entrée il est tac, là-haut. Le frelon il rentre par en haut. Donc vu qu'aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme, j'ai pas envie de sortir l'échelle ou de crapahuter dans l'arbre, et ben je vais prendre ma canne à pêche à frelon. Là on est bien Tintin, c'est parti. Voilà, donc là je vise bien le point d'entrée puis j'injecte. Tout simplement. Du coup, je vais faire pareil dans la grosse cavité, je vais injecter. Check. Allez, j'avoue, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe quand même. Donc dans la cavité, là, ça tombe. Le produit commence à agir. Hop, dégage-toi. Et là-haut. Là-haut, il y a un bouchon, normal. Toutes les ouvrières qui rentrent, elles se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Elles sentent bien qu'il y a un bins. Donc voilà. Traitement au pyrètre, hein, traitement de contact, ça agit sur le système nerveux dès l'instant que les hyménoptères posent les pattes dessus.